Alors bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être présents et présentes pour cette deuxième journée du colloque Cirque contemporain et engagement. J'ai le grand plaisir de modérer cet atelier numéro 2, intitulé « Formes institutionnelles et politiques de l'engagement dans les arts du cirque ». Nous allons commencer par écouter Karine Sarraud, que je présente tout de suite, même si la plupart d'entre vous la connaissent déjà. Donc, Karine Sarraud est docteure en arts du spectacle de l'Université de Toulouse, chargée de recherche et développement à l'ESACTO Lido, École supérieure des arts du cirque Toulouse-Occitanie, et membre associé du laboratoire LLA Creatis. Depuis sa thèse de doctorat, ses travaux portent sur la politicité de l'art. Elle a ainsi publié « Le théâtre musical au XXe siècle, une expérience politique en 2022 ». Et son attention portée à la pluridisciplinarité l'a peu à peu incité à se concentrer sur les arts du cirque. Le dernier article qu'elle a publié, coécrit avec Muriel Plana, s'intitule « Réactualisation ambivalente de l'agiprop dans le cirque féministe contemporain » dans la revue Slavica Occitania en 2023. Non, ce n'était pas une revue peut-être, c'était un ouvrage, c'est une revue. Elle a co-dirigé plusieurs ouvrages, dont le remarqué « Quelle musique pour la piste ?»« Musique au cirque de la fin du XVIIe siècle à nos jours » aux Presses universitaires de Rennes en 2023, co-dirigé avec Bertrand Porot, Marc-Antoine Boutin et Cyril Thomas. Et elle a également co-dirigé avec Diane Moquet et Cyril Thomas un ouvrage non moins important, très souvent cité dans les travaux sur le cirque, « Contours et détours des dramaturgies circassiennes » publié au CNAC en 2020. Enfin, elle travaille aussi sur les pédagogies de l'art. Elle est responsable notamment d'un programme lauréat de l'appel à projet recherche dans les établissements d'enseignement supérieur du spectacle vivant, DGCA, ministère de la Culture. Et elle travaille également sur la recherche-création dans les arts de la scène. Et nous l'écoutons pour une communication intitulée, si ça n'a pas changé, je ne vois pas, d'un cirque engagé à un cirque politique, nouvelle tonalité dialogique en régime postmoderne. Donc, comme l'a expliqué Maria Strick dans la présentation, en fait, dans le cadre de mes travaux de thèse, j'ai étudié des œuvres qui faisaient dialoguer musique et scène et en essayant de répondre à la crise de l'opéra au XXe siècle et en tentant de mettre en œuvre ce que j'ai appelé une totalité hétérogène. Donc ces œuvres qui intègrent aussi une pensée politique souvent empreinte du marxisme se proposent comme lieu de son expérimentation et se pensent comme outil d'émancipation. La qualité pluridisciplinaire d'une œuvre interroge de fait les rapports de pouvoir entre les différentes disciplines en scène ou les différents arts. Et donc en rupture avec le modèle wagnérien qui implique des relations de fusion entre tous les éléments au service d'une œuvre d'art totale, libérée de tout carcan générique et seule à même de puiser le meilleur dans chaque discipline pour les transcender, cet élan moderniste donc au XXe siècle tendait au contraire vers des systèmes de relations qui préservent l'intégrité de chaque art et leur autonomie. Alors qu'à cette époque, donc toujours XXe siècle, l'Europe connaît l'installation de systèmes politiques totalitaires, ces espaces d'expérimentation artistique tentent d'installer et de préserver un idéal démocratique qui ne renonce pas au désir de totalité. Aussi, reconnaissons-nous dans ces systèmes de modalités des relations dialogiques, donc au sens où Muriel Plana le définit dans Théâtre politique, c'est surtout dans le premier tome qui est donc publié chez Horizon. Donc je la cite, « La relation dialogique est une relation libre, égale et réelle entre les jeux. Le dialogisme implique la liberté des actants ou joueurs, l'égalité entre eux, mais aussi l'effectivité de la relation. » Je crois que d'ailleurs Muriel était intervenue dans la journée d'études sur le féminisme, il me semble. Donc cette modalité s'appliquant dans les œuvres où la politicité est la plus rigoureuse selon nous, aux relations entre les arts, mais aussi entre les disciplines et entre le plateau et la salle. Autrement dit, le recours à un dispositif de relation dialogique entre les arts permet d'assumer un désir de totalité, donc faire appel à plusieurs arts au sein d'une même œuvre pour la spécificité de chacun et leur complémentarité, pour les réceptions que chaque art appelle, sans pour autant risquer l'écueil totalitaire que l'on définit notamment par une œuvre si totale qu'elle ne laisse plus d'espace, ni d'espace entre eux, pour citer Hannah Arendt à propos de la terreur totalitaire,
ni d'espace entre l'œuvre et ses spectatrices, donc modalité de réception qui provoque de l'illusion. Bon, c'est un sujet, je condense un peu tout le résultat de ma thèse, mais je n'ai pas vraiment le temps de développer ici, mais bon, vous pouvez lire donc, cette thèse qui est publiée chez Artois Presse Université. Mais donc la question qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment ce désir de totalité se réalise dans les arts du cirque en contexte postmoderne. Et est-ce que ce modèle de totalité hétérogène, donc totalité composée d'éléments différents, identifiable en tant que tel et porteur d'un discours autonome, donc pouvant se compléter mais aussi se contredire et surtout se perturber, voire se pervertir dans le sens d'être détourné de sa fonction habituelle, et apporter donc de l'hétérogénéité, est-ce que ce modèle vaut dans la création contemporaine circassienne alors que la postmodernité se laisse gagner par la tendance confusionniste, pour reprendre les termes de Philippe Courcuff? Donc le postmodernisme se décline en tendance esthétique dans la littérature, les arts plastiques, l'architecture et la musique. Nous pouvons donc nous interroger sur l'efficience de ce terme dans le champ esthétique des arts du cirque. Je vais citer Carole Beffa, qui est musicologue et compositeur, qui nous dit que le postmodernisme musical se définirait par le refus de se plier au canon de la nouveauté à tout prix et par l'intention de se situer dans le prolongement d'une tradition sans opérer de tabula rasa. Si nous ne pouvons, pour des raisons évidentes, mais que je n'ai pas vraiment le temps de dérouler ici, créer un parallèle entre les dynamiques musicales et circassiennes au cours de l'histoire, force est de constater que de nombreux spectacles de cirque contemporains jouent sur le lien à l'histoire du cirque, et notamment le lien avec des formes dites traditionnelles ou de foire, que ce soit dans l'évocation formelle ou dans la convocation de motifs symboliques et évocateurs. Donc je pense par exemple à Locust Paradise de Cirque Pardi, à Oraison de Rasposo, et c'est le cas d'un steak d'Intrépidus dont on va parler ensuite. On peut d'ailleurs voir aussi dans cette tendance l'autoréférence typique du postmodernisme. Et là je renvoie à nouveau à l'article de Muriel Plana, publié dans Sociocriticisme en 2020. Anne Quentin, donc dans son ouvrage « Le processus de création dans le cirque contemporain », donc pour rappel, cet ouvrage se fonde sur deux périodes d'entretien, 2008 et 2018, a aussi pu mettre en lumière cette sorte de retour aux sources qui émerge de la deuxième vague d'entretien, quand la première génération, en proie avec la nécessité d'affirmer des esthétiques nouvelles, affichait davantage la rupture avec ce que l'on nomme la tradition, tant dans les écritures que dans les aspects socio-économiques du métier. Carole Beffa, toujours à propos du courant appelé la nouvelle musique, qui correspond plus ou moins au postmodernisme, parle de faire jouer librement les réminiscences du passé. Le postmodernisme renvoie aussi, et c'est d'autant plus vrai au théâtre, au jeu du fragment et du matériau qui va de pair avec la désacralisation des éléments. Cette déhiérarchisation et la liberté de jouer avec les codes du passé impliquent souvent, comme ce fut le cas dans le théâtre musical du XXe siècle, des rapports de jeu entre les catégories dites populaires et les catégories dites savantes de l'art. Au-delà de la citation, qui renvoie à une période ou à un imaginaire, les éléments peuvent devenir des matériaux pleinement intégrés dans l'écriture. Je vais citer John Adams, qui est un compositeur contemporain qui est revenu vers l'opéra en assumant des écritures opératiques politiques. Il qualifie sa musique, je le cite, de « grande poubelle » dans laquelle peut se retrouver de graves élégies, des chansons quasi pop musique, de la musique de dessin animé et faire dans le même temps référence à Schoenberg. Ma transition semble toute faite, vous pouvez le voir sur la photo de ce spectacle, puisque le spectacle Steak que je propose d'analyser aujourd'hui interroge cette totalité postmoderne circassienne. Donc Steak est le premier spectacle de la compagnie Intrépidus, qui rassemble quatre circassiens et circassiennes, dont un jongleur, Mario Beraga Martinez, un danseur hip-hop, Ottavio Stasio, une acrodanseuse, Analia Vincent Sepi, et un acrobate rappeur, Léo Morala Macias. Steak est un spectacle qui convoque une esthétique trash au sens politique du terme. Et là, je me réfère à un colloque qui a eu lieu en mars 2024 à l'Université Jean Jaurès. C'est-à-dire un processus de visibilisation de ce qui vient du dessous, des égouts. Les quatre clowns sortent littéralement d'une poubelle. L'œuvre donne de la valeur à ce qui habituellement n'en a pas, sans pour autant sublimer ou idéaliser les personnages ni le contexte. Une forme de dégoût est préservée à des degrés différents, comme quand les personnages assaisonnent leur repas avec la cendre du cendrier ou des crachats, ou bien alors quand ils boivent le jus de la poubelle, voire une forme de perversité quand ils imaginent assaisonner le barbecue avec un enfant spectateur, ou quand l'un des clowns offre son aide à son comparse dans la détresse tout en l'écrasant du bout du pied. Ce trash, qui est lié à la valorisation du déchet, permet de le regarder d'une autre manière, montrer le hors-norme, le répugnant.
Toutefois, les moments répugnants ne prennent pas toute la place, ils ne font pas totalité, et en cela n'éloignent pas le spectateur des personnages ou de la scène, ne font pas des personnages des bêtes de foire dont on se moquerait en se targuant du fait de n'être pas des leurs. Ce n'est pas un rejet total, mais subtil et intermittent. Et ce, grâce au point suivant. Dans Steck, en effet, il semble se jouer l'inverse de la dynamique de distanciation. C'est-à-dire que le fondement de l'écriture repose sur la distance et que le mouvement est engagé vers un phénomène d'affection, voire d'identification. Faut que je passe la dépôt 2, pardon. Donc, la distance entre la scène et les spectatrices s'installe à travers, dans un premier temps, les personnages de mendiants et leurs costumes sales qui provoquent le dégoût et donc le rejet. L'image d'un plateau qui se dégrade au fil du spectacle, jonché de sacs poubelles, de détritus, de cendriers renversés et qui est même arrosé d'eau à un moment du spectacle, provoquant de dangereuses glissades. Un plateau qui semble au bord du débordement sur le public, ce qui crée une forme de rejet et une peur d'être éclaboussé par ces espaces abjects. Le deuxième point, c'est ces personnages de clowns qui adoptent un jeu très marqué à l'opposé du réalisme et leur apparence qui radicalise aussi le côté obscur du clown puisque sur les quatre clowns, trois adoptent un maquillage qui les rend relativement effrayants, comme vous pouvez voir, avec du noir autour des yeux, le blanc qui est sale et qui rappelle bien sûr aussi la figure pop du clown qui est frais. Et là... On pense bien sûr assez rapidement au Joker qui a été réinstallé dans l'imaginaire collectif donc depuis le film de Todd Phillips en 2019, qui est d'ailleurs sorti quelques mois avant les premières maquettes de Steck, et d'ailleurs dont j'ai appris que la suite sortait au cinéma. Voilà. Le troisième point, c'est à travers le gag, qui est un outil de jeu qui crée de la distance, car du surjeu et du rire. Et cette mécanique du gag, elle est installée dès le début du spectacle, puisque la sortie de la poubelle, après un épisode de mendicité sur lequel je reviendrai, se fait avec des effets de baffes surjoués, des chutes rocambolesques et des bruits de claquement de cette poubelle qu'ils font tourner et voler dans l'espace. Je vais vous montrer cette photo-là. Le cirque se retrouvant ici à travers le risque que la poubelle soit lâchée sur les spectateurs, puisque nous sommes très proches du plateau. Chaque fois que je l'ai vu, c'était le cas. Enfin, le quatrième moyen d'instaurer cette distance dramaturgique passe par le biais de l'esthétique du jeu vidéo de combat qui ajoute une couche d'artifice. J'y reviendrai lorsque j'interrogerai les aspects dits populaires du spectacle. La distance est donc pleinement installée à travers différents moyens et la possibilité du politique vient ici d'effets d'identification. Ces effets sont provoqués notamment par la noblesse accordée à ces personnages dans les moments d'acrobatie, de danse, que ce soit en solo ou des chorégraphies collectives très stylisées, je parlerai d'une d'entre elles, ou bien alors dans un passage de rap. Ces passages apportent de la gravité aux personnages qui les rapprochent de nous, des spectatrices, et offrent des effets d'identification. Le spectacle commence par une interpellation de la part du seul clown féminin. Elle demande au public une pièce. Cette scène, nous l'avons tous et toutes vécue un jour, et c'est une interpellation qu'on essaie souvent, pour la plupart en général, d'éviter. Ici, la spectatrice est mise en face de cette réalité et de ce personnage qui, dans la vie de tous les jours, est l'autre, l'étranger, au sens de l'altérité. Pourtant, un personnage auquel on finira par s'attacher. Le processus est très intéressant puisque, donc au départ, le ou la spectatrice se retrouve dans cette situation d'être interpellée pour une pièce. La convention du spectacle fait qu'il ou elle ne peut pas s'échapper, partir ou faire semblant de ne pas avoir entendu. Et se rajoute dans le jeu d'interpellation le regard du reste du public qui observe qui donne et qui ne donne pas. Autrement dit, c'est une situation quotidienne qui est mise en lumière et qu'on prend le temps d'observer. Ça dure un certain temps. Pour autant, le jeu fait que le public n'est pas pris en otage, comme on dit souvent, puisque l'interpellation est réalisée avec humour et qu'après avoir demandé une pièce, elle indique qu'elle accepte aussi, à défaut d'avoir de la monnaie, des clés de voiture, des clés de maison, etc. Le personnage surjoue une petite voix qui nous rappelle l'enfance et qui appelle la tendresse. Et la mendicité est aussi progressivement stylisée, puisque le personnage porte une veste sale, des habits déchirés et continue à mendier tout en se mettant à danser sur une musique pentatonique. Ce qui apporte une distance, donc par l'étrangeté des mouvements chorégraphiés, mais aussi une étrangeté accentuée par la gamme pentatonique qui n'est pas forcément habituelle pour nos oreilles dans la musique occidentale. Et tout cela, cette distance évite le pathos potentiel. Ce passage chorégraphié n'est pas pour autant sublimé, puisque le costume du personnage reste excessivement sale, et d'un sale qui est réaliste. L'ensemble est trop sale pour être réaliste, sans doute, mais les taches le sont, on voit que les vêtements sont réellement sales. À la fin de sa chorégraphie, alors que certaines personnes du public lui donnent réellement des pièces, voire des clés de voiture ou de maison, je l'ai vu, elle s'adresse à l'assemblée en disant « j'en ai trop, qui veut ?»
ce qui renverse l'image symbolique. Celle qui demandait détient même plus que ce dont elle a besoin, et ceux qui étaient en capacité de donner deviennent celles et ceux à qui on propose, sous-entendu celles et ceux qui auraient potentiellement besoin. On peut bien sûr y lire l'instabilité des classes sociales, une sorte d'avertissement sur le fait que n'importe qui peut se retrouver en situation de besoin, ainsi que la générosité d'un personnage qui redistribue instantanément et ne compte pas accumuler. D'ores et déjà, ce premier renversement suscite de la tendresse et de l'affection. Si on résume cette mécanique, finalement, on finit assez vite par s'attacher à ce qui est sorti de la poubelle, à ce qui est à l'image de l'ordure, à ce que l'on jette ou qu'on évite, à ce qui peut potentiellement nous répugner en général. Et ce processus-là est fondamentalement politique. Il permet ou à la spectatrice de porter un autre regard sur ces évidences, de déplacer la norme de ce qui a de la valeur ou n'en a pas, de ce à quoi on s'attache ou non, et de repenser son propre regard. Steg nous offre une complexité de sentiments qui ne réduit pas les personnages à la mendicité ou à la poubelle d'où ils viennent. On s'attache, on s'identifie, ils sont aussi in fine un miroir de nous-mêmes. Steg instaure aussi un dialogue entre culture populaire, même si je préférerais parler ici de culture partagée, c'est une proposition faite par Florence Alazard sur la musique, sur la musique de la Renaissance, et qu'elle-même reprend de Peter Burke. Et donc, dialogue entre cette culture partagée, que je vais développer cette idée-là, et une dimension philosophique. Et en cela, en repensant les catégories qui traditionnellement ne dialoguent pas, renforce sa dimension politique. L'inscription dans la culture partagée se traduit par donc, ces personnages de clowns, et notamment, je passe à la diapo suivante, mais pour que vous voyez bien le costume, ce clown-là, donc avec des couleurs jaunes, rouges, noires, de grandes savates, qui est bien sûr l'image traditionnelle partagée du clown, mais aussi du plus capitaliste des clowns, celui de McDonald's, ce qui est souligné par le « Hello everybody » qu'il prononce en sortant de la poubelle avec un accent hispanique très assumé et qui nous montre une sorte de contrefaçon de clown McDo qui, outre sortir de la poubelle, s'engage dans un gag de chute infinie. Ce motif s'inscrit à nouveau dans un contexte référentiel de culture pop. Les gags participent aussi de ce partage culturel qui s'inscrit dans la modalité du divertissement. Ces situations font émerger le ridicule des personnages et appellent à des rires simples, spontanés, auxquels les enfants répondent à merveille. Suite à l'apparition de ce clown McDonald, donc, comme je le disais, il se met à tomber en sortant de la poubelle à l'infini. Il chute sans arrêt sur tout un tas d'objets, ça prend des minutes et des minutes. Il se prend les pieds dans ses chaussures, perd son équilibre, tombe derrière le plateau, réapparaît mais rechute encore. Et le public s'esclaffe d'un rire aussi simple que sincère, qui ne diminue pas malgré les minutes qui passent et la répétition. On peut y lire, bien sûr, la décadence enfin du capitalisme, qui offre une portée politique à ce gag classique et traditionnellement innocent, et qui, en s'inscrivant dans le divertissement et en jouant avec les codes classiques du clown, inscrit aussi le spectacle dans le sillage esthétique du cirque dit traditionnel. De même, on trouve aussi, toujours inscrit dans ce modèle du cirque dit traditionnel, la mécanique du personnage caché que le public doit retrouver, puisque le clown femme, donc le prénom de l'interprète c'est Annie, a disparu du plateau et le clown McDonald interpelle le public en demandant « Vous avez vu la petite, vous avez vu la petite ?» Et les enfants qui hurlent de plus en plus fort « Dans la poubelle, dans la poubelle !» Bon, à mesure que le clown, bien sûr, ne la trouve pas, etc. Cet appel au rire spontané des plus petits, mais des plus grands aussi, il faut le dire, est renouvelé lorsque les personnages, après avoir cherché longuement, trouvent enfin le steak dans la poubelle, qui, comme son orthographe l'indique, puisque ça s'écrit S-T-E-K, n'en est pas un. Et donc, il se lance dans une danse de type danse de la joie, dont vous pouvez voir les photos ici, une sorte de danse rituelle pour rendre hommage à ce bout de pain. Bien sûr, cette danse très simpliste rappelle aussi les souvenirs d'enfance. Mais une double lecture est rendue possible dans la mesure où le terme steak définit aussi en argot le joint de marijuana qui n'est pas terminé, laissé dans le cendrier et rallumé le lendemain. Ce terme, le soulagement, voire la joie de retrouver ce steak, renvoie alors à cet environnement punk, populaire, de lendemain de soirée, bordélique, sale et dénué de toute l'élégance qu'avait pu revêtir la soirée. Loin de l'aspect innocent, voire enfantin, que pouvait transmettre cette scène de joie. Selon les artistes de la compagnie, l'orthographe phonétique de steak a été choisie pour évoquer le tag, les graffitis et leur caractère percutant. Par ce choix, il s'agit aussi d'alimenter donc, la convocation de l'art urbain qui concourt à cette culture populaire et partagée. Le rap et le crump détiennent en effet aussi un moment privilégié de type vraiment concert durant lequel ils occupent toute la scène. Le breaking, quant à lui, est sollicité régulièrement et souvent en dialogue avec le gag. Et enfin, le recours à cette culture pop
cette fois pop au sens pop culture, passe aussi par l'esthétique, je l'ai dit, du jeu vidéo à travers des combats chorégraphiés et l'usage de sons synthétiques typiques de style Street Fighter. Et ainsi, pour finir, l'esthétique cinématographique, donc convoquée régulièrement à travers des motifs ou des effets. J'ai parlé du Joker, mais on a aussi des effets de fondu sonore, fade out, quand, par exemple, le clown femme tombe dans la poubelle et qu'on entend un « non », comme si la poubelle était vraiment très profonde. La bascule vers une forme de gravité qui extrait le spectacle du pur divertissement, si on peut l'appeler ainsi, et qui lui donne une portée philosophique et politique, ou en tout cas renforce sa portée politique, apparaît lorsque le clown McDonald crie « stop ». Je l'appelle le clown McDonald, mais c'est moi qui dis ça, c'est pas un propos des artistes, quoi. Mais... donc ce clown-là, c'est pour que tout le monde voit duquel il s'agit, crie « stop, c'est fini, arrêtez, c'est fini, ça fait mal », comme s'il n'en pouvait plus de tomber et d'être le sujet du gag. Un des trois autres clowns lui répond « non, c'est interdit, tout le monde a mal, on a tous mal ». Le clown McDonald retire alors son costume, le jette à terre et le tue à l'aide de sa massue comme s'il tirait une balle dans le clown symbolisé par son costume. L'attitude du clown femme qui s'empresse d'aller faire un massage cardiaque au costume rappelle l'absurde et assure une forme de distance face à ce qui s'affiche désormais comme un drame. Après quoi, les quatre clowns s'alignent devant le costume et lui rendent hommage à l'image d'une cérémonie funéraire. La portée philosophique du spectacle prend alors le dessus sur l'esthétique du gag et du divertissement superficiel à travers la mort du clown qui fait appel à du symbolique. La mort du clown, c'est la fin de la légèreté, mais aussi d'une certaine manière la fin de l'espoir. Cette cérémonie d'enterrement est partagée avec le public, nous le pleurons tous ensemble et la spectatrice passe symboliquement du côté des clowns, avec eux et elles, avec celle qui, à nouveau, était répugnant au départ. Le clown qui portait ce costume donc, de McDonald's se désolidarise de cet hommage en disant « c'est un bâtard, un bastardo, un idiot, un ridicule, je suis content de l'avoir tué ». Ce à quoi un autre répond « mais c'était un ami ». Un ami du public aussi qui les a divertis et leur a permis un rire abondant. S'ouvre ensuite le passage rap crump. Donc la musique de style hip-hop débute avec un motif répétitif aigu et des bruitages de clics mécaniques qui rappellent la présence de pistolets. Donc pistolet avec lequel le personnage a tué son clown, et qui renvoie à nouveau à cette esthétique cinématographique et de jeux vidéo, puisqu'ils utilisent souvent ce type de bruitage pour évoquer la présence ou le risque d'une arme. Pendant cette introduction musicale, les quatre clowns effectuent un style de mouvement stylisé répété trois fois. C'est là qu'on passe à quelque chose de très technique. J'essaie de vous le montrer avec la vidéo. Normalement, on a tout fait pour que ça marche du premier coup. Hop. Donc ça va être très très rapide, mais c'est pour parce que j'ai du mal à décrire ces mouvements très stylisés, comme ça vous pouvez les voir. Voilà, c'était cette espèce de mouvement. Bon, peut-être je peux essayer de remettre et de mettre d'ailleurs en plein écran. Alors, pardon, la musique, c'est pas la musique qu'il y a pendant le... Ça, c'est le teaser, vous pouvez le retrouver sur YouTube. C'est pas la musique qu'il y a pendant ce passage-là. Vous entendez que l'instru, en fait. Et le rap arrive après, mais là, c'est le moment du teaser. C'est surtout pour voir ces mouvements. Voilà. Et ça, c'est répété trois fois. C'est répété tac-à-tac trois fois. Et c'est stylisé, voilà. Et juste après, donc, débute le duo donc, de rap et crump, qui prend une toute autre tonalité, beaucoup plus grave, plus sérieuse, voire revendicatrice, comme ces genres ont la capacité de l'installer. Deuxième moment technique. Envie de me jeter à la mer avec une paire de brassards, ça me sert de brasser. J'avance avec la tête basse et pied de bassin. Si je rêve assez fort, ce sera peut-être pas ça. J'oublierai les erreurs. Voilà. Bon, après, vous pouvez regarder le teaser en entier, comme ça, vous avez tous les... le texte... je vais laisser, parce qu'après, il y aura un dernier petit passage. Le texte du rap, donc, annonce la fin d'une lutte pour l'espoir, la désespérance et le danger de cette résignation. À la fin de ce moment de concert, puisqu'on a vraiment... on regarde que ça, quoi, dans le spectacle. Et d'ailleurs, le public applaudit à la fin de ce moment de rap et crump. Donc, ce qui lui donne vraiment une qualité... ce qui donne vraiment au spectacle une qualité pluridisciplinaire, voire leur approche d'un genre qu'on pourrait peut-être appeler cirque musical. Mais bon, j'ai pas vraiment le temps de m'attarder pour analyser ça. Mais donc, ce passage rap crump se termine par le danseur au sol en train de mendier et les deux autres clowns, qui adoptent la même position.
Je vais vous montrer la fin parce que l'image est vraiment très forte, alors que la musique prend le temps de s'achever et revêt une profondeur politique intense. Il s'agit de mettre en lumière la mendicité, mais aussi de lui rendre son caractère grave, qu'on avait pu mettre de côté à l'introduction du spectacle lorsque le clown-femme suscitait le rire et la tendresse par sa manière de mendier. Et cela permet aussi une lecture supplémentaire, comme c'est régulièrement le cas en fait dans ce spectacle, hein, une lecture philosophique qui renvoie à la quête de cette énergie perdue pour la lutte et de cet espoir évanoui pourtant nécessaire. Dernier passage. Ah, faut que je mette en grand parce que c'est trop beau. Regarde pas, je ressens trop moi du passé. Je ressens trop moi du passé. Regarde pas, j'attends la pièce et moi du passé. Voilà. Et donc après, sous là, on arrive à la dernière partie du spectacle. Et donc après, tous ces rires, cette espèce d'énergie qui avait beaucoup, qui traverse le public régulièrement, cette image prend une importance et une profondeur vraiment très saisissante, quoi. Donc suite à ce passage lourd de sens, les clowns quittent progressivement leur position. Je vais remettre juste le. Cela dit, je ne sais pas si ça. Oui, bon, je vous demande juste cette photo qui est très belle des maquettes. Donc ils quittent progressivement leur position donc, de mendicité et le clown femme sert 4 verres de liquide poubelle, ce qui nous rappelle d'où viennent ces clowns, du trash, et qui crée aussi une respiration plus légère pour reprendre le spectacle. À la suite de ça, le clown qui était donc McDonald's, mais qui ne l'est plus puisqu'il a tué son costume, entame un jonglage dansé relativement sombre et grave, mais aussi très noble. J'ai pas le temps de montrer, je voulais vous montrer une vidéo, mais là ça va être vraiment too much. Et donc ce personnage qui était le ridicule à lui-même, le sujet de toutes les moqueries, prend du pouvoir, et un pouvoir qui lui permet aussi d'avoir un effet sur ses comparses, puisqu'on voit que son jonglage a un effet sur les autres. C'est donc aussi son émancipation, d'une certaine manière, et par cela, le spectateurisme n'est pas que dans le regret du clown. Le sentiment est plus complexe, puisque après l'avoir pleuré, on admire le personnage qu'il est devenu. Il n'est plus dans le gag, ne se sacrifie plus pour amuser la galerie. Ces complexes sentiments se mélangent et renforcent la dimension philosophique du spectacle. Steak est donc un spectacle qui offre un regard subtil, complexe et politique sur ce trash, cette remontée des goûts. C'est un spectacle populaire dans le sens qu'il rassemble autour d'une culture et d'émotions partagées, sans pour autant simplifier la réception à travers des sentiments admis et consensuels. Rien n'est réduit, rien n'est du pur absurde. De nombreux passages offrent différents niveaux de lecture qui permettent de se confronter à des problématiques sociales avec la nuance et la complexité qu'offre un regard politique. Dans cette diversité de réception, qui est proche de ce que moi j'avais théorisé comme la réception dynamique, mais je n'ai pas vraiment le temps de développer non plus cette idée ici, on retrouve le désir de totalité. Le dialogue entre populaire et philosophique y participe aussi, ainsi que la cohabitation de différents espaces culturels. Cependant, cette totalité est construite à partir d'éléments hétérogènes, qui se confrontent plutôt qu'ils ne fusionnent, qui restent distincts, identifiables et autonomes, et qui, en cela, s'inscrivent dans une relation dialogique à l'échelle du spectacle. On peut dire que le liant, ce qui crée la continuité, chez Wagner c'était la musique, ici c'est les clowns. Mais ces clowns sont mis en difficulté, ils sont fragilisés puisque la bascule du spectacle se fait par la mort du clown. Donc on a bien affaire à une totalité, selon moi, non totalitaire, car fragilisée, et qui laisse de l'espace entre ces éléments, qui rendent possible la pensée critique d'un volet social et de l'art qui le met en jeu. On peut aussi lire finalement la mort du clown et les sentiments ambivalents qu'elle suscite comme une réflexion sur la tradition du cirque et sa confrontation aux esthétiques contemporaines qui n'ont de cesse de s'en distinguer pour mieux s'y rattacher. Tout comme l'œuvre d'art total poursuit ses origines pour mieux les englober, origine du monde, origine de l'humanité, origine de l'art, et là je vous renvoie aux écrits de Timothée Picard et notamment à l'art total, grandeur et misère d'une utopie autour de Wagner, le spectacle à son échelle introduit des traces de des origines souvent mythifiées d'ailleurs du cirque. La postmodernité de Steck apparaît dans la valeur symétrique potentiellement accordée aux éléments. Le gag a la même place que le noble, les combats de jeux vidéo que l'acrodance, le seul discours construit et conséquent est pris en charge par le rap, puisque tout au long du spectacle, nous n'aurons que des mots ou des phrases très courtes et partielles. Et on peut repenser à ce stade à John Adams et sa grande poubelle, dans laquelle les styles de musique et les époques dialoguent.
Cependant, Steck résiste à la tendance néolibérale du confusionnisme qui est venue peu à peu remplacer l'illusion. Et j'insiste sur le terme « résiste » car cette résistance participe pour moi de la qualité politique de l'œuvre, en ne se pliant pas à la norme sociale dominante qui veut que tout puisse avoir un équivalent, que tout se vale et donc au final que plus rien n'est de valeur, surtout la langue, le discours, la parole. Ce qui distingue, selon moi, d'un postmodernisme politique, c'est que l'équivalence de la valeur est un axiome ou un résultat. Du côté du résultat, postuler la même valeur et par conséquent nier la valeur conduit vers du confusionnisme. Du côté de l'axiome, du postulat de la potentialité, et je reprends là des réflexions finalement que Rancière applique à l'égalité des intelligences, on travaillerait à une pensée politique de la valeur. Autrement dit, tout peut potentiellement avoir une valeur symétrique, mais tout n'aura pas la même valeur selon l'attention que l'on donne, la manière de le travailler et le contexte. Contexte très important. Il s'agit dans Steck de maintenir les espaces, de maintenir les différences, et donc en cela de maintenir la marge en la distinguant de la norme. Si la marge et la norme ont la même valeur mais ne se distinguent plus, alors la norme aura simplement absorbé la marge. Steck offre de la valeur à ce qui n'en a pas en règle générale, mais en s'attachant à préserver ce qu'il extrait de la norme dominante, voire à le revendiquer, à l'assumer sans le sublimer, et donc à le respecter. Merci.